Allez, salut tout le monde, c'est Harmonium, nouvelle vidéo sur Skyforge. Dans cette vidéo, ça aussi, je vais vous montrer donc. Est-ce qu'on peut jouer à Skyforge sans débourser un seul centime? Donc dans cette vidéo, du coup, je vais jouer les classes qui sont gratos dans le jeu. Donc il y en a 3, parce que vous prenez des packs, vous avez d'autres classes, etc. Donc là, je suis avec mon chevalier, mais là, on va changer de classe tout de suite. Donc là, on va prendre... On va commencer déjà avec, avec la classe Cryomancien, qui est une classe de base. Donc là, là, dans cette vidéo, tout ce que je vais faire dans cette vidéo est gratuit. C'est-à-dire que si vous jouez au jeu gratuitement, vous avez tout ce que j'ai dans cette vidéo. Pour vous montrer un petit aperçu. Donc c'est parti, on va jouer tranquillement. En plus, les classes de base sont vraiment très très bien. Donc, moi, je trouve énormissime le Cryomancien. Le Lumancien est pas mal, mais surtout le Paladin, je trouve que c'est un des meilleurs tanks du jeu. J'aimerais bien avoir un proc. Voilà, avec un proc ça fait de bons dégâts. J'adore la pointe de vitesse du Cryomancien. C'est vraiment quelque chose qui va super vite, donc c'est top. Ça c'est une attaque dévastatrice, ça c'est vraiment trop bien. Donc là on arrive au premier boss. Donc rond, c'est un bouclier qui fait que je prends beaucoup moins de dégâts. Donc ça va être très intéressant à l'utiliser. On fait mon petit bouclier là. Ils ont reset? Non, je pense pas. Si? Oh là là. Ça arrive des fois, les gars. Je leur ai tellement mis la volée qu'ils ont dit on reset, on recommence. Ah, et du coup, j'ai plus trop de talons là. J'avais tout claqué, mais c'est pas grave. On va ramasser un petit peu les bonus. Lui, on va le ken. Et voilà. Donc maintenant je vous propose qu'on change un petit peu de classe. Du coup on va jouer le Lumancien, qui est donc une classe gratuite aussi. Support, on avait dit, support. Support dégâts, du coup, donc très bonne classe aussi. C'est ça qui est bien, les classes de base, comme je l'ai dit, elles sont super, donc il n'y a aucun souci à vous faire là-dessus. Un ultime, voilà. Donc pareil, on est sur des procs, rien de spécial. Regardez, là j'envoie du laser. Et donc là, ce que je joue, je répète, c'est gratuit. C'est-à-dire que là, vous allez faire exactement ce que je fais dans cette vidéo, tranquillement, sans vous faire le moindre souci. Là, vraiment, on me fait un petit bouclier, voilà. On va l'esquiver, lui. Donc là c'est mon attaque, sur du mono cible que je fais, c'est un laser, c'est l'attaque à faire vraiment quand on veut. Donc là voilà, j'ai eu un proc, donc là, quand vous avez un proc, vos dégâts sont dévastateurs avec. Je vous ai montré ça dans la vidéo de présentation de la classe. Hop là.
on va continuer tout doucement. Et après, on fera un petit peu de un boss avec un paladin ou un truc comme ça. Donc je fais mon bouclier. Là, je peux faire mon laser maintenant. Là, faut que je me barre un peu. Voilà. Donc on a des bonnes attaques de zone. Hein. Attendez, une arme à deux mains, très bien. Allez, c'est parti. On va l'acheter directement sur lui. Ou alors, attendez, on va directement faire plutôt. Là, on peut voir qu'il y a un bâton, on a des points américains, tout ça, donc les armes, c'est vraiment sympa aussi de récupérer les armes. Donc là, c'est un boss, on avait dit qu'on faisait un boss avec... on fait un boss avec le Lumancien, et après on fera un boss avec le reste. Hein. Alors là, j'ai jamais mis le mec en PLS, il semblerait. Non. Alors là, c'est choquant ce que j'ai fait. J'ai mis le bâton qui a explosé. Et j'ai envoyé les trois jetons de douleur. Bon, 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 bah du coup, voilà. De toute façon, vous avez déjà vu un petit peu le gameplay du Lumancien, donc... on va lui parler. Et donc là, on prend le paladin maintenant, qui est énorme, le paladin. J'adore énormément le paladin. Paladin, survie 15 sur 10. Hein, vraiment, si, si. Dégâts, 8 sur 10. Support 5 sur 10. Vraiment énorme. Et donc gratos aussi, hein, bien sûr, je le répète. Hein, cette vidéo est bien pour prouver qu'on peut jouer à Skyforge hein, gratuitement. Donc là j'ai un saut célèbre, donc là je vais faire carré triangle hein, pour faire des dégâts monstrueux devant moi, voilà. Mais bon sinon, pour tuer les Kikou comme ça, on fait L2 triangle, hein, bien sûr. Là on fait une charge. Je fais un bouclier. Là, j'attends d'avoir des procs au céleste. J'ai un proc au céleste, je fais carré et triangle. Voilà, je fais de bons dégâts. Je fais une terre céleste pour avoir, hein, bien sûr, plus de consommation d'énergie. Hein. Là, énormissime. Là, je refais une charge. Hein. Je peux me dépasser très vite, hein, vous savez. Donc là, pareil, hein, je fais une attaque devant. Voilà, je fais une chaîne d'éclairs maintenant. Lui, on lui fait... Ah bah l'ultime, j'ai pas eu le temps de le faire pour récupérer mon énergie. Hein. Là, vous sentez que Paladin, je le joue quand même, parce que là... Hop. Là, je récupère tout mon courroux. Hein. Et voilà. Donc là, les trois classes que je vous ai montrées dans cette vidéo hein, sont disponibles gratuitement. Donc c'est-à-dire que vous ne risquez rien à les jouer. Vous ne risquez rien à jouer à Skyforge gratos. Hein. Donc moi, je vous invite vraiment à l'essayer. Après tout, si vous ne l'aimez pas, vous ne continuez pas. Si vous l'aimez vraiment et que vous n'avez pas envie de payer, vous ne payez pas. Si vous l'aimez tellement que vous avez envie de jouer des autres classes et vous amuser comme moi, tout ça, et que vous avez envie de payer un petit pack 60€, par exemple, comme si vous achetez le jeu, hein, pour soutenir les développeurs, tout ça, pourquoi pas, si le jeu vous plaît. Et donc, bah du coup, vous pouvez le faire. Mais sinon, rien ne vous oblige, bien sûr. Là, il y a la petite main qui me poursuit. Hein. On va faire un beau bout, du coup. Je vais vous montrer l'ultime dans cette vidéo. On va attaquer le boss avec, d'ailleurs. 333 000 points de vie. Donc, après, le boss va descendre de... Ah bah, mon ultime n'est pas prêt. Bon, bah, c'est pas grave. Saut céleste qui est prêt, hein, regardez, voilà. Je fais une invulnérabilité. Là, j'ai plus d'énergie, donc du coup, j'ai fait la terre céleste pour récupérer mon truc. Alors, attendez, non, il y a un mec qui est descendu, là. Non, toujours pas, d'accord. Ah, c'est bon, il est là. C'est lui, le méchant, hein, qu'il faut tuer, hein, surtout. Là, je commence à plus avoir beaucoup d'énergie. Là, vous pouvez voir mon courroux est bas. Hein. Donc ça, le courroux, c'est ce qui permet de faire les compétences. Hein.
Donc quand vous en avez plus, bah vous tapez carré, hein, vous faites votre combo et ça en redonne, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on a des invulnérabilités, des boucliers avec le paladin, donc là, hop, je suis invulnérabilité, là. Donc ça c'est énormissime, hein, mode facile du jeu, hein, vraiment, si vous avez envie de jouer comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, chaîne d'éclair. Vous avez vu que ma vie, je ne perds pas de vie, hein, avec paladin. Donc là, voilà, j'ai gagné 11 000 crédits, hein, donc si je la fais 10 fois, je gagne 110 000. Avec les directives par semaine, vous gagnez 800 000, vous pouvez gagner facilement une classe coûte 3 millions avec un petit peu de temps de jeu, vous y arrivez, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc après le statut premium, hein, c'est pour aller plus vite aussi, hein, c'est pour aller plus vite. Le jeu c'est vraiment pour aller plus vite, voilà, si vous êtes quelqu'un de pressé, bon, bon je suis un peu pressé parce que je fais des vidéos sur toutes les classes, tout ça, hein, vous savez, donc moi voilà, c'est un investissement, donc moi ça me fait plaisir, puis moi le jeu je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc, dans ces vidéos je pense que je vous ai prouvé qu'on peut vraiment s'amuser avec les trois classes de départ, hein, sans rien débourser un centime. Après moi j'ai eu le pack de Berserker au début du jeu, et qu'on m'a offert, hein, et puis après j'ai eu le pack donc collector que j'ai acheté suite à ce que le jeu, parce que me plaît énormément bien sûr, hein, donc du coup, je me suis dit je vais m'investir dans le jeu, faire beaucoup de vidéos dessus, et du coup j'ai débloqué donc alchimiste et chevalier avec les cristaux des deux packs que j'ai pu m'acheter pratiquement toutes les classes du jeu, et puis le reste je vais m'acheter ça en crédit pour vous faire des vidéos bien sûr, hein, donc tout, sinon si je ferais pas de vidéos je pense que j'aurais tout acheté bien sûr. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée, mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a apporté des informations, si vous avez envie de la partager, faites-le, ça m'aide énormément, abonnez-vous pour les prochaines vidéos de Skyforge ou sur d'autres jeux, hein, je serai sur Warhammer 40k, Dawn of War 3, et donc moi ça me fait plaisir. Et puis c'est tout, puis voilà, c'est déjà pas mal je pense, et donc prochaine vidéo ce sera quoi? Ce sera sur comment devenir bien entendu plus fort sur Skyforge, hein. Et voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.